fait aux jeunes plus visiteurs. Là, je regarde les cadeaux que l'ancien Claudia a distribués, moi, j'ai un pile de visiteurs. Et à ce moment-là, je ne vais pas déranger, non, parce que je connais l'autre qui est là avant 7 heures même, qui est déjà là, parce que quand on reçoit un cadeau, parce qu'il vient avant tout le monde. Mais il y a un monde qui est là, peut-être deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois. Nous, c'est vrai qu'on voit tous les visiteurs qui viennent ce soir adorer avec nous. Tous les visiteurs, faut-il camper, parce que l'église doit saluer d'une façon spéciale. Tous les visiteurs, faut-il camper, faut-il camper, faut-il camper, faut-il camper, faut-il camper. Nous avons besoin de honte, 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 nous avons besoin de honte. Béni soit l'Éternel, que Dieu vous bénisse à profusion. Bon Dieu, une bénédiction spéciale pour chacun de vous. Mettez-vous, s'il vous plaît. Merci d'être venu. Nous sommes ravis. Nous sommes là, auréolés de joie. Nous contents parce que ou là, ou qui dit activité, pour venir dans des paroles, bon Dieu. Et ce soir, le message que nous allons considérer, il a une importance capitale. Il est titré Les sept fléaux de l'Apocalypse. Les sept fléaux, ou bien les sept plaies de l'Apocalypse. Avant de commencer, je toujours fais un bagage que Malmando fait encore. Ça que je toujours m'en fait, sur Ablo. Partager. Ah, il y a des gens qui sont intelligents dans celle là. So, moi, il y a des gens qui croisent mes mails, ils ont dit partager, semble pas que téléphone, sur Suze, croisez mail, sur Suze, voyez aller pour moi, s'il vous plaît, bah, on monte, descend, at least one person. Tout le monde partage le programme là, at least with one person. On ne peut pas partager, téléphone n'est pas là. Depuis bon, je monte le téléphone, partagez le message là. Ok? At least one person. Donc, on peut que ça me demande pour faire ça. Ou pas elle facile pour nous partager zin? Non, pas là. Il est facile. Pas de monde qui demande nous pour nous partager zin, nous partager. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, nous toutes marrés. Ma bon courage, fais la soeur. Parce que son zin, ou ta voix est bon, quand même. Ou ta voix est bon. Parce que grand pile monde qui veut, c'est zin, ou est bon. Demi, c'est zin. Il veut pas, pasteur. C'est le pasteur qui a besoin de pour le prêcher, vous comprenez. All right. Donc, merci. Parce que nous choisissons pour nous partager avec un ami, un collègue de travail, un voisin, un frère, une soeur. Merci. Nous allons partir. On a demandé au Kabako Betetou pour une courte prière juste avant de commencer. Notre Seigneur que notre Dieu. Ce soir encore, nous faisons appel à toi. Toi qui as préservé, toi qui as inspiré cette parole, que tu viennes toi-même nous l'enseigner. Nous avons parmi nous beaucoup de visiteurs. Ouvre leur cœur et ouvre notre cœur. Par quoi que ou écris ces choses dans ta parole, dans le livre de l'Apocalypse pour gain. Ou écrit pour capable ban nous un avertissement. Ou pas t'aimé personne monde péri. Mais on t'aimé tout le monde pas venir à la connaissance de ton fils pour capable gagner la vie. Seigneur, ce soir encore parle. Tes serviteurs et tes servantes écoutent. Parle, Père Saint, pour l'amour de Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Les sept fléaux ou les sept plaies de l'Apocalypse. À peu près 10 siècles, en Égypte, pour bon Dieu te libérer peuplé, il te voyait combien plaies, si nous rappelons-nous? 10. Nous songez? 10 plaies. En fait, ils vont au premier, Pharaon dit Nat Marinat, m'a pris des peuples là. Ils vont au deuxième, Nat Marinat. Ils vont au troisième, Nat. Ils vont au 5, 6. Il arrive dans le dixième, il dit, Moïse, one more, and they will let you go. Il dit, tu dis tout peuple moins pour moi. Tu as un agneau, pour un sang, passe dans l'entoporte là. Parce que l'ange destructeur pour le passer. Et l'aile passée, depuis le sang sous la porte là, tout le monde dans le cas sauvé. Mais tout côté pas de sang, que ce soit, non, parmi peuple moins, que ce soit parmi peuple égyptien, premier né à mourir. So, soit ça, chaque caille en Égypte gagne la mort. C'est soit que ou gagne l'agneau qui mourit en place, premier né, ou bien premier petit homme mourir. Gorel pété en Égypte.
Et Pharaon dit, get your people out. Il t'a fait gros nègre, il va quitter le peuple. Allez, il dit, allez, 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 allez. Bon Dieu, t'es voyé combien? 10. Maintenant, fait ans avant bon Dieu délivrer nous, avant le descendre de le chercher nous, la Bible dit, il parle voyé combien? 7. Mais tout le monde clair sur ça. 7. Chaque 69 Bible en aller, n'a pas le tourner, n'a pas la Bible. Comment sont appelés les 7 fléaux? Parce que l'Apocalypse bat un nom. Apocalypse bat un nom. Soit moi, ben non, la Bible Jésus. Pas bien. Apocalypse, c'est révélation de qui moun? De Jésus-Christ. So, c'est pas moi, c'est la parole de Jésus lui-même. Comment sont appelés les 7 fléaux? On nous regarde bien d'après Apocalypse 15, le verset 1er. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient combien? 7 fléaux. Les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Comment est-ce que les derniers? Dans un temps, bon Dieu, font frapper, oui. Il y a des autres. Il était frappé Sodome. Il était frappé le monde entier avec le déluge. De temps en temps, ils font frapper. Et jusqu'à présent, bon Dieu, font frapper. Pour une fois ça, bon Dieu dit, la voyez combien? 7. Et ce seront les derniers fléaux. Pas gain encore. Après yo, that's it. Après yo, c'est libération. Après yo, pas gain amour encore, pas gain souffrance, pas gain douleur encore. Après yo, c'est la vie éternelle. Le dernier triple message d'amour, on me dit message comment? D'amour et d'avertissement de Dieu au monde se trouve dans Apocalypse 14, versets 6 à 12. Je me dis, soit après soit, que je tourne de temps en temps sur ce texte-là. Cette péricope, Apocalypse 12, versets 6 à 12. D'ailleurs, vous entendez très bien. C'est le dernier message d'amour, mais aussi message d'avertissement au monde. Dans quel livre que vous trouvez? Apocalypse 14, versets 6 à 12, qui dit quoi? Mes premiers anges, non. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant comment? Un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, et à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, quoi? Et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venu, nous font tirer un peu l'âme toujours, d'où, pit comme à on, zanana, compingouin. Donc, il dit à toute nation, à toute tribu, à tout peuple, n'importe monde, message ça c'est pour vous. Quand, regardez, ma belle, je dis Adventiste, Baptiste, parce que ça, il dit n'importe peuple, regardez, compagnons même, ou haïtien, ou spanish, ou américain, ou français, la Bible dit, dernier message ça c'est pour vous. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Why? Car l'heure de son jugement est venue. Et pour nous-mêmes qui habitons venir là, jugement commence dans quelle année? 1844. Nous sommes dans les temps Noé, bon Dieu, le peuple a combien? 120 ans. Pour être capable de répondre. Sauf pour 1844, à Coulier, là, nous avons à peu près 175 ans. Maintenant, plus gros qu'on y est. Qui est bon Dieu pour le dire? En effet, none of us knows. Nous ne savons pas qui est. Mais l'air, ça marche. Craignez Dieu, prends mon Dieu sérieusement. Pas jouer avec mon Dieu. Fais volonté mon Dieu. Respecte mon Dieu. Why? Car l'heure de son jugement est venue. Et Angelon continue pour lui dire, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Qui ça Angelon a demandé pour nous faire? Adorer mon nom qui fait ciel, la terre. Ça veut dire, il dit adorer le Créateur. Si ange, le premier ange, après les mounes pour adorer le Créateur, ce qui revient à dire que il y a des mounes qui ne peuvent pas adorer le Créateur. Et m'a dit, la meilleure façon qui prouve que vous adorez le Créateur, c'est là qu'on adore le Créateur dans le jour que le mettez à part là. Il est Dieu. Tenez très bien. Si c'est où tu es bon Dieu, pour aller adorer ce collectif, je ne vais pas te dire, mais où? Je vais dire, mais joue ça, tout le monde vient pour se tenir devant. Et c'est ça que bon Dieu fait.
Il met ton jour à part depuis notre création. Il dit le monde entier, joue ça. Les nous adorer, nous prouver que je suis le créateur. Parce que je mets joie à part depuis notre création. L'homme pas adoré dans le jour où dit pas créateur. Ou dit tout bon vraiment ça. Monsieur Abdidéwa, c'est nous confirmer. C'est dans le ciel que nous sortir. Son processus d'évolution, son bing-bang qui fait nous. Son premier ange n'a pas les forts. Mais la Bible dit qu'un deuxième ange, un autre, un second ange. Suivi en disant quoi? Tenez très bien sa deuxième ange l'a dit. Elle est tombée, Babylone la grande. Faut-il camper là? Je connais Simbou, Mabdouli quand même, parce que je fais m'bolé. Demain, si je veux parler de Babylone la grande, il faut qu'on ait s'allié. Venez pour nous étudier ensemble. En nous, ça la Bible dit. Je dis deux femmes dans la Bible là. Il y en a un chapitre 12, Apocalypse 12, l'autre là, dans Apocalypse 17. Demain, si je veux venir. Parce que la Bible dit, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé quoi? Toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Demain, si on connaît tout, on connaît tout de Babylone, on connaît tout de bagaille. Ok? Troisième ange, non, et un autre, un troisième ange, les suivit en disant quoi? D'une voix forte, comment? Si quelqu'un adore la bête et son image. Faut-il comprendre là? Songez, premier ange l'a dit, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sous ce dos. Qu'on est troisième ange l'a dit, si vous monde qui permet pour l'adorer qui ça? La bête et son image. Et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui. Tenez très bien, oui, aussi du vin de la fureur de Dieu. Verset comment? Sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté où ça? Dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Bon, je dis, il y a un monde qui permet d'adorer bête là avec image. Et guess what? Si vous continuez à venir, avant de finir, je vais prêcher sur la marque de la bête pour me dire où ça marque bête là. Pour ne pas adorer. Et nous parlons tout en Bible là, pour faire la Bible là, mais ça marque bête là. Ok? So, venez. Venez. S'ouvrez contre parole, bon Dieu. Bon Dieu dit, on moun qui permet adorer bête là. On moun qui permet adorer image bête là. Ma poule au café en main ensemble avant. Bon, ici, nous connaissons le café en main. N'a bon café en main ensemble. Ils ont pas tout monté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Now, pas bien nous venir pour nous connaître ça, les sept fléaux, les sept derniers fléaux de l'Apocalypse. Quelles sont les deux punitions mentionnées pour les méchants dans le texte de ce livre là? Il y a deux punitions bon Dieu, mentionnées pour les gens qui recevront Macbeth là. Il dit que Mounsayo, il boira du vin de la fureur de Dieu. Il a dit, bon Dieu, fâché. Nous, regardez, nous avons tant de côté de l'orage fait. Ça va y aller devant son palais dans le jour ça. Bon Dieu pour le fâcher. Et mon deuxième bagaille, non seulement bon Dieu pour le frapper avec fort, mon ça gagne pour le bouler dans le feu et le souffle. Pourquoi je moule le manger? Pour tu dois tout bouler seulement. Boule pas doux, mes frères et mes soeurs. Bah, il y a des bagailles dans la rue que l'enfer, c'est un côté ou pas le boulot, 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 pas j'aime mourir, pas boulot, moi, ça c'est mensonge, Satan bon. Pour l'élite, vous ne mourrez point. Imaginez, bon Dieu, ça, pour pas même faire 50 ans sous terre, ou pas même faire 100 ans sous terre, pour l'album, il y a un feu éternel qui va jamais éteindre, non. Le haut du feu éternel, ça veut dire, moun pa ka éteindre feu. Feu a boule jusqu'à ce qu'il fin boule. Et le fin boule, tout le bagage fini. Par exemple, la Bible dit Sodome avec Gomorrhe est boule par un feu éternel. Est-ce que feu a boule qu'on y a là? Non. So bon Dieu, pas le boulot pour juste ça finir. Non. Ou a boule, pompier, pape sauve. Pas gen moun ka ka mette moun dehors. Moun a pas le tourmenté dans le feu et le souffle. Tout récemment, je regarde une petite vidéo bon, sur en Haïti. Bah, ça l'aide. Bah, je vais me parler de lui. Bon, monsieur, pour un bac, si c'est l'un gang, si c'est 400 maros, vous mettez du feu sur le nègre. Le nègre n'a pas qu'à mourir, non? Moi, je ne vais pas regarder ça. Je ne vais pas regarder. Bika? Je ne vais pas regarder. Ou un nègre est à terre, du feu à l'endol. Bon, qui dit, ouais, comment prendre ça tellement de points? Du feu sur lui, il n'a pas qu'à mourir. Mais du feu l'éternel, il n'a pas qu'à mourir.
du feu l'Éternel n'a pas gagné. Même si vous avez pour rien. Parce que c'est Satan qui s'attend pour le passer dans du feu ça. Une bonne nouvelle, c'est que l'Éternel, Jésus dit, du feu, ça n'est pas fait pour les hommes, il est fait pour Satan avec Angélio. Mais malheureusement, il y a des gens qui parlent dans du feu. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de faire ça, bon Dieu, moi, depuis au fait. Est-ce que bon Dieu a mené en haut, pendant ce temps en bas, pour lui faire volonté, pour continuer avec rébellion en haut? Non, il n'y a pas qu'à faire ça. On avance. Quand les fléaux, comment seront-ils à tomber? Qui les fléaux ça ou pas commencer à tomber? Après la fin du temps de grâce, la colère de Dieu se manifestera par le déversement de cette coupe. Chacune contenant quoi? Un fléau qui frappera les impénitents. Alors, dit monde qui pas demandé pardon, monde qui pas demandé pardon pour mon Dieu pardonner, il est impénitent. Moun ki pa konfesse peche, moun ki pa vive nan rebelyon, moun ki pa li fè volonté bon Dieu, pa li kade loi bon, yo di loi bon Dieu aboli, yo cloué sous la croix. Mais fléau pour aller tomber. Tande grâce là pour aller terminer. Porte grâce là pour aller fermer, li pa pou ouvrir pour tout temps. Salvation door closes mete trois fois pour changer. Chaque cas ayant été décidé, alors s'abattent les fléaux. Si un moment pour moi avoir pour nous camper, pour nous prendre position pour mon Dieu, c'est bien ce moment. Parce qu'automatiquement, porte grâce à fermer, ou pas qu'à décider encore. Et ou pas le ouest en enfléer. Ou après en vie converti, ou pas qu'à converti. Ou après en vie mandé pardon, ou pas qu'à mandé pardon. Why? Parce que l'Esprit de Dieu pour le retirer de la terre. Parce que le sang des fers est prononcé. En avancé. En nous avancé qu'on y est. Puis je vis dans le ciel. Un autre signe, comment? Grand et admirable. Sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je t'en dis, tenez très bien, une voix forte, Apocalypse 16, verset 1 toujours, qui venait du temple et qui disait aux sept anges, allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Il y a sept anges qui avaient sept fléaux. En le terme, il y a tant de signes à l'Éternel pour frapper. Et puis, il y a un ange qui sortit dans le temple, côté Jésus a intercédé, il dit, go now! Time is up! Frappez la terre! Allez et versez, où ça? Sur la terre, les sept coupes de la colère de Dieu. Et puis, il y a parti, oui? Quel est le premier fléau? On nous regarde ça, la Bible dit. Le premier Allah, et il versa sa coupe, où ça? Sur la terre. Après, la Bible dit, l'elfine versait coupe, lui, un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient quoi? Oh! Ou songez bon Dieu te dit, moun qui prend mac là, qui adore bête là, la coule en café, mais ensemble avec yo. Premier moun, bon Dieu frappe, c'est moun mac bête yo. Premier moun y frappe. Premier moun. Premier groupe moun. C'est moun qui recevra mac bête là. Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient quoi? La marque de la bête et qui adoraient son image. Ange n'a pas dit, boum! Il frappait. Et là, il frappait les hommes quoi? Et là, ça, ou pas bien côté ou mettre corps. L'hôpital pas qu'à guérir ça. Pas de médicaments pour lui. Même fait l'Éternel ou bien il n'y a pas de travail parce qu'il n'y a pas de travail contre volonté, bon Dieu. Parce que bon Dieu, pas qu'à frapper, vous dites, ma parole, prends ça, bon Dieu, mets ton corps pour guérir. Non, il va passer. Il parle trop. Chaque jour, chaque année, année après année, bon Dieu a fait appel à vous. Il est là en croisade, il dit, hé, hey, mets route là, marchez là-dedans. C'est vérité, c'est parole, moi. Still, you don't do nothing. Jusqu'à ce que loi dimanche passé, Macbeth passé, ou prend Macbeth là, et puis boum, bon Dieu frappé. Qu'arrive-t-il pendant le premier fléau? Je ne vais pas prêter trop sur lui. Parce que je vais vous dire la voix. Qu'arrive-t-il pendant le deuxième fléau? On nous regarde ça, la Bible dit. La Bible dit, le second versa sa coupe, où ça? Dans la mer. Et elle devint comment? Du sang. Car, comme celui de mort. Et tout être vivant, ça passait, mourut. Tout ce qui était dans la mer. Tout ça, je nourris mes poissons. Bon, vérité, moi, je vais écrire mes petits poissons en pile. On dit poisson avec petit duri rouge. Petit duri avec poids rouge là. C'est même des maïtiens en pile. Ou pas jouer un poisson pour manger.
bâtiment pas qu'à circuler pour aller en Haïti, aller boire manger. L'en mettre. Guess what? Les bêtes mouillent qui côté au campement sans l'aide le moteur. Ça veut dire bloquer la mer. Pour toute bête qui gagne la mer, mourir. Sous la terre, les hommes même gagnent d'où les souillo. Pas de jouet ça, non, mes frères et messieurs. Pas de jouet là même. Il frappe la mer. Il dit la mer, tout ça en don doit mourir. Et bête ça, on va la gagner sans. On est là, mais à grand vent. Il a poussé bien loin, il a poussé sans. On en est tout le monde. Tout bête, il mourir. La mer rouge. The sea became as the blood of a dead man. De la Bible dit. En avancé. Troisième fléau. La Bible dit, le troisième versa sa coupe. Où ça? Dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et il devint. Qui ça vint sans qu'on y a? De l'eau sous l'eau. Yo. Tenez ça la Bible pour le dire. Tenez ça la Bible pour le dire. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, ah, faut camper là. Ouais, bon Dieu, gon, gen ange pour tête bagage. Ouais, sous tombe dans de l'eau, moui, gen l'ange des eaux pour retourner dans de l'eau. Sous tombe dans du feu pour l'eau, gen l'ange du feu pour descendre dans du feu, pour faire du feu tourner air conditionné. Sous pas observer, bon Dieu, c'est où que le problème? J'entendis l'ange des eaux qui disait, tenez ça l'ange des eaux dit, tu es juste, toi qui était, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Dis pourquoi fin balai? Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Bon, tout ça, ange n'a dit. Ange n'a dit, bah, yo sang pour yo boire, yo mérite. Et ça le dit là. Ils en sont dignes. On ne sait pas ce qui s'est passé là. Qui est-ce que nous qui levons matin là qui n'a pas utilisé de l'eau? Depuis l'Amérique qui monte dans l'espace, premier bagage là pour chercher qui ça? De l'eau. Parce que si pas de l'eau, pas de la vie. Nous bossons dans nous ensemble avec. Nous faisons manger ensemble avec. Nous baignons ensemble avec. Nous lavons rad nous ensemble avec. Nous lavons machine. Si pas de l'eau, pas de la vie. Qu'on y a bon Dieu frappé sous l'eau. N'oubliez si c'est moi qui fais la pluie tomber. N'oubliez ces mecs banou de l'eau, nous passons à mettre quelque banou de l'eau parce qu'on a acheté des filles, on a acheté à quoi finir, nous passons à mettre quelque banou yo. N'oubliez, si c'est moi, l'Éternel dit, qui fait de l'eau, nous pas qu'à respecter. Nous pas qu'à respecter. N'oubliez, nous passons à mettre quelque banou de l'eau. Nous, le soleil a clair en l'air, nous passons à mettre quelque belly. J'aime toujours dire ça, c'est ça, mais regardez. Femme paye pour ça, vous comprenez ça, mais soleil là, il ne pas payer pour lui. Si vous avez bouché à fond, bouché, il va mettre coupé pour un soleil là, il ne pas payer pour l'Éternel. Il en sont comment, ange l'a dit? Il en sont dignes. Il a dit, il mérite le baillot sang pour le boire. On avance. J'entendis qu'on y a l'autel qui disait. T'en es très bien, même j'ai toujours l'autel qui a parlé qu'on y a. En d'autres termes, le sang de Jésus parle maintenant. J'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Où est qui est-ce qui dit ça? L'autel qui disait. En d'autres termes, il y a fort fond réminiscence, il y a fort tourner bas pour le sacrifice de Jésus. Salvin point pour vous, comment il mourit dans la place, comment il cloue main, il cloue pied, comment il prend dil, tout tourne jean maman il te fait, il rache bab, il fait coup, quoi pique dans la tête, il baye calotte, gagne qui gratte gorge à eux, aller là, il pou, dans la figure Jésus, pour ma foi. But still, nous pas accepter. L'autel parle, il dit, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Toutes sortes que vous te faire pour les hommes, vous faites, but still, vous pas sauvé. Rivière, fontaine de l'eau, tout, yo tourne qui ça? Sang, pas gain de l'eau. Quatrième fléau, après le frappe, oui. Le quatrième verset, ça coupe où ça? M'de que ça a mis un bel soleil là. C'est ça a mis un bel soleil, la lumière pas lumière qu'on y a. Le quatrième verset, ça coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent. Quoi? Le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ça que fait pas qu'à repentir. Pas de grâce là, fait mon qui sensibilise au lot, pas tant de voile. Qu'on est allé, qu'on est sorti. En d'autres termes, tout le monde qui n'était pas converti, techniquement, mon sort fait péché contre le Saint-Esprit pour le monde qui étudie ensemble avec.
So qu'on y a soleil là même gars soit pour continuer bon soleil moyen pas le boulot. Après la Bible dit les hommes boulés. Bon Dieu fait bouler. Ouais, je dis, il a parlé de comment il est quand même global warming, réchauffement de la planète. Ça n'a pas encore rien devant ça qui est privé. Parce que y a un ange qui parle frapper soleil là pour bouler les impénitents. Ce n'est pas moi qui dis, ce n'est pas le bon Dieu qui dit. On nous passe dans le cinquième, non? Le cinquième ange verse sa coupe où ça? Ah, la bête qui tape bon problème, non? Guess what? Il n'a pas frappé la bête. Ça qui passait. On nous garde ça, le dit. Le cinquième verse sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se moquent de la langue de douleur. Et, regardez bien, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ils n'ont pas qu'à repentir, ils sont trop tard. Ils ont voulu repentir, ils ont voulu pour. Regardez, quand le pasteur Paul me voulait baptiser, il est saoulé. Vous nous reportez ça, alors, pas besoin de nous ouvrir. Vallée de bénédiction enfermée. Sous bon temps pour être rangé cause, parce que papa n'a pas bonne nouvelle après. Ma fin de mauvaise nouvelle, yo. C'est mauvaise nouvelle. Mais moi, pas pour le monde qui a Jésus, yo. You have nothing to fear. Ou pas besoin de peur, rien. Ou pas le ça dans un instant. Ok? Now, kingdom bête là, his kingdom was full of darkness. D'accord, il y a un gros, comment il y a ça même? Puis on lume la lumière, yo. On est soleil là pas ben courant pas courant même il y a un groupe électrogène là c'est bien l'ouvrir moi il y a un génératrice c'est bien l'ouvrir et bon Dieu qui frappe dit blackout pour on pas prendre ni devant ni derrière et les bon Dieu bon ténèbres pas carré quand tu passer. Que se passe-t-il durant le sixième fléau quand les gens l'ange verse sa coupe où ça sur le grand fleuve l'Euphrate. Les cinq fleuves n'a pris votre côté qui est belle qu'on y a. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate. Et son eau tarie. Ça n'est très bien de l'eau asséchée. Pour comprendre ça qu'a parlé là. Afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Les rois venant de l'Orient, on dit, ah, c'est l'Éternel des armées avec les anges qui ont débarqué. On va voir ça plus devant, on va montrer ça. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète. Et trois mouns qui ensemble. Trois esprits comment? Impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font quoi? Des prodiges. Je ne sais pas si ils font le miracle. Et qui vont vers les rois de toute la terre. Afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Bon Dieu pour le frapper conni avec M. Sao Konya. Bon Dieu pour le frapper conni. Là, Konya, suivez ça, la Bible dit. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui vient et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas comment? Nu. Ça veut dire nu. Veillez pour marcher tout nu. Et qu'on ne voit pas sa honte. Jésus, bon avertissement là! Il dit, m'en route. Les rois de l'Orient, c'est lui qui a débarqué. M'en route. Bon, bête là, dragon, faux prophète, qu'on est Jésus à venir. Il parle rassembler tout peuple dans un lieu, en hébreu, appelé comment? Amageddon. Ça, mot, ça signifie. Ça nous relève la bataille d'Amageddon. The battle of Amageddon. What is that? Bon, coup, il dit bien vite. C'est pas une guerre pour pétrole. Jean pile mon abdi dans la télévision, gros prédicateur abdi. Bon, qu'on y a Amérique presque pas dépend de pétrole, la monnaie, il commence à avoir pétrole pas. C'est bon, guerre pour pétrole que lié. La grande bataille d'Amageddon qui bataille que lié. Le mot Amageddon, son seul fois mot apparaît dans la Bible. Et les mots apparaît une seule fois dans la Bible, il y aurait ça, Apax Legomenon. Le bon mot apparaît une seule fois. Apax Legomenon en grec. Ok? Now. Amageddon, ça signifie. Nous pouvons le dire que moi pour capable ça signifie. Ah, en anglais c'est Amageddon, il commence avec H. Ah là, ça symbolise, c'est mountain ou bien hill. Une montagne ou bien une petite colline. Mohed, ça signifie assemblée.
The assembly of God, okay? Ou bien Mount of Assembly. Mount Zion. Christian Church. Tout ça aussi symbolise même bagay, signifie même bagay. So, là, parle aux batailles de la Magédon, qui s'accueille. Amageddon commence à la sixième plaie pour se terminer à la septième. C'est là qu'elle commence, la sixième, la fin de la septième. Amageddon est l'acte final du drame séculaire de la lutte entre qui ça? Le bien et le mal. Entre le Christ et Satan, avec leur armée comment respective d'anges et d'hommes, entre la vérité et l'erreur. C'est la dernière tentative l'ennemi pour le faire pour le renverser l'Église. Dernière tentative! Mais la main ange, bon Dieu dans le ciel, là, pour participer. La main Satan pour participer. Moun qui petit bon Dieu pour participer. Moun qui petit Satan pour participer. Et dernière guerre. So, the battle of Armageddon is what? For those who speak English, is the Satan's final attempt to overthrow Mount Zion, the Church of God. Pour l'Église, pas existe encore même. Parce que vous pouvez l'accuser, nous, c'est nous cause fléau. Vous entendez très bien, oui? Nous cause flé yo à frapper la terre. Nous démontre au gros terre qui dit Satan parle simuler le retour de Jésus. Et c'est ça qu'elle parle dit. Ouais, ou connaît ça fait toute la vie d'un moment ça apparaît même. Ou connaît ça fait toute fleur ça frappe là, c'est parce que nous continuons à observer le sabbat. Et ça regardez, ouais, depuis avant le fait, nous déjà dit pas le fait. Yo pas l'accuser peuple bon Dieu, qu'on y a pour son dernier fois Satan pas le faire pour faire tout monde. Quitte ça par l'éternel là. Signe du Dieu créateur. The whole world, tout monde là, will be what? On va le lire. Will be the battlefield and everyone will be a participant. De pour vivre sous terre, tout monde qui participe. Tout monde! Mais bonne nouvelle là, guess what? Ou pas qu'attendre à la fin pour battre proposition. It will be too late. Parce que pas de grâce à pas le faire, mais c'est qu'on y a pour déjà. Campé, ferme, vous dit, mais écoutez, me campé. Mais écoutez, me campé. Jésus, dans la route pour le venir. Et Jésus, pour le débarquer. Et l'aile débarquer, côté pour aller. Le retour de Jésus, il pour le faire pendant qui ça? Le septième fléau. C'est là pour commencer à prêter attention. Qui deux choses qui arrivaient pendant le septième fléau? On nous regarde. Le septième versa sa coupe, où ça? Dans l'air. Ouais, il a frappé la mer, il a frappé de l'eau, il a frappé rivière, il a frappé tout partout, il a frappé soleil, conière, il a frappé, regardez, dans l'air, vous voyez. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, It is done! C'en est fait! It is finished! Oh my goodness! Ma katan pour moment ça. Pour ton boka dit même gens ça m'avait pas katan pour moment ça faut préparer oui. Matin me lever premier texte que me recevoir son tremblement de terre dit qui va pas ici. Deux jours avant ça là, c'est inauguration à montrer côté kaya prend machine nous pas yo, kaya prend machine, kaya prend moun, kaya prend bête, moun camper sous tête kay, ouais tout monde a crié après l'Éternel. M'baka wè misère, m'baka wè souffrance encore. Ou remè ça qui a passé là? Ou tellement à l'aise, ou pas t'aimer Jésus vini? Gon ange qui sortit dans le temple, il criait. C'en est fait. Anglais a dit, It is done. Jésus crie dans route qu'on y a là tout bon. Et après la Bible dit, les anges n'ont fini dit, t'en es très bien, t'en es très bien. C'est parce que m'parle de tremblement de terre, ou pourquoi tremblement de terre? Les anges l'ont fini, it is done. La Bible dit, il lui croit des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Nous pouvons jamais un tremblement ça. Qui compte au roi le camper parce que le tremblement de terre, ça frappe tout partout. Quand en Haïti, aux États-Unis, qu'en France, qu'en Allemagne, tremblement de terre pour le frapper. Tellement fort, la Bible dit, t'as dit très bien, et la grande ville fut divisée en trois parties. Bon, je vais passer là.
Ma wè djou ki dema wansi ki dengam. Mwen ka bonbon ti ba etou biti. Gran vil ki divize an 3 pati an. Se alians ki te fet entre bet, dragon et faux prophète la, kon yon divize entre yo. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations. Les villes des nations. T'as dit que bien, t'as mon ouais. Là, comme je l'ai frappé n'importe côté qui, quand on met à l'Serie en France, en Allemagne, aux États-Unis, Popano, Orlando. Et les villes des nations, quoi, qui s'arrivaient, tombèrent. À ce tremblement de terre, souquet, ils furent tombés. Et Dieu se souvint de Babylone, la grande. Songez Babylone, demain si Dieu vient d'apprendre Guescalier. Pour lui donner quoi? La coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent. Et les montagnes ne furent pas retrouvées. Même montagnes déplacées, toutes couilles. Dans le monde, j'étais tout barrière, t'es net. Quand on peut aller dans ce moment-là, qui soit pour le faire? Qui quand on peut le serrer? Puis bel bâtiment qui a serré en bas là, il va tomber. Puis bel carreau de la couche en bas là, il va tomber. Mais il y a une bonne nouvelle pour petit bon Dieu. T'as dit très bien, la Bible pour confiner, non? La Bible dit, et une grosse grêle. Il y a une voix, un tonnerre, un tremblement de terre. La Bible dit, une grosse grêle dont les grêlons pesaient combien? Un talent tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle. Parce que ce fléau était très grand. Ouais, il va dire, ce fléau était grand. Ce fléau était très grand. Premièrement, un grand tremblement de terre fait. Pont pas campé, montagne pas campé, caille pas campé, tout pas écrasé. Les villes tombèrent. Nous sommes devant là. Nous sommes devant Dieu, nous. Et puis, un grêle qui tombait. Alors, il dit, bon job, calonne mon accouche qu'on est. Roche bon Dieu, c'est grêle lié. Gros boule glace. Moun kap bat pou koui parce que guess what? Ou ap bat pou koui parce que kay tombe. Ou pas tout en Haïti, le tremblement de terre a fait koto moun yo kampe. Nan la rien. Tout récemment, m'a démontré le tremblement de terre là, ouais, moun ak ti motocyclette li, li couché nan mitan la rien, il mette motocyclette parce qu'il va ka kampe. Terre souke, il mette motocyclette la couché, il couché. Kounye bon Dieu dit, ah, on pa dwe tan ban kay la pou kay la gazo, m'ap bo grêle. Son seul côté qui parle de sécurité. Et c'est seul côté sa guerre sécurité, je dis. En Jésus de Nazareth. Allez très bien, mais ça me dit, je me dis déjà. Ville là divisée en 3 parties. 3 parties, c'est bête là. Dragon, avec prophète, ils ont divisé qu'on dit. Mais ils ont divisé. Ils ont unis pour manger le peuple là. Ils ont divisé qu'on dit. C'est comme si le dragon dit, bon, je frappe là. Bête là dit m'a frappé là, faux peuple là dit m'a frappé là. En nous, regardez même si nous pas unis, bot frappé quand on a frappé parce que l'un va cailler de l'autre. Gè problème, gè problème, frappé quand on a frappé. Et qui nous connaît pas le frapper? Peuple bon Dieu, mais bonne nouvelle là. Dieu protège son peuple. Quand à maintenant, bon Dieu pour le protéger peuple. Ou pas petit mis sans gardon. Très très bien, je commence avec le message là. Pendant 10 plaies d'Égypte là, bon Dieu te protégé peuple, pas vrai? Bon Dieu te dit peuple ça pour le faire. Dans Exode 12, verset 7, il dit, on prendra de son sang, de l'agneau, le sang de l'agneau, et on mettra où ça? Sous les deux poteaux. Après l'Éternel pour le parler, il dit, je verrai le sang, ma propre sang, et je passerai pas dessus. C'est ça que nous voulons, en anglais nous dit, pass over. Passover. Jusqu'à présent, on célébrait Passover. Pâques. Regardez, je passerai au-dessus. Les anges des structures passés, ils disent, ils disent, non, là, c'est petit bon Dieu. Après, je passe. Tenez ça, bon Dieu dit, bien dans le texte là. Je passerai dessus et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent. Pas de plaies qui frappent. Sous point sang, sans nous faire ou faire. Ça, c'est dans Égypte. What about now? Aujourd'hui, coulière. Pour éviter les 7 derniers fléaux, nous devons accepter quoi? Le sang de Jésus. Parce que ce symbole n'a pas changé. Sang, hauteur de tuer agneau, il symbolise l'agneau qui ôte le péché du monde, Jésus. Mais comment? Acceptons-nous le sang de Jésus aujourd'hui? Comment? Est-ce que c'est l'embouche pour nous dire m'accepter sans Jésus? Jésus dit soit accepté sans, mais soit doué fait. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Nous devons mettre l'autre façon encore, oui. Celui qui croit et qui sera baptisé sera protégé. Amen. Mais où dit ou quoi? Où dit ou voulez éviter fléau? Je ne vais pas le baptiser. En d'autres termes, je ne vais pas accepter sans Jésus ou pas accepter le sacrifice. Bon Dieu, vous me dit à soi, mettez soi sous vous. C'est ça que je dis hein, partout dans le monde. Dans le pays, côté l'évangile, pas de prêcher. Après la chute de Berlin, mur de Berlin, c'est des milliers de monde qui ont rentré dans les eaux baptismales, femmes qu'on garçons. Pour qui ça? Pour être capable de recevoir le sceau de Dieu. Pour être capable de protéger de façon à ce que les fléaux a frappé, pour être qu'on ait couvri. C'est comme si moun sa yo te accepté médecin. Moi je dis à bon Dieu connais qui moun que nous yé, c'est moun qui sophistiqué, nous gen bel kay nous pas pour le tuer bête pour nous passer sans bête dans kay nous tout a perdu parce que nous pas faire vraiment jodi. Hey! Mon bel kay, c'est château, tout moun connaît, après mal passer sans bête n'importe. Moi bon Dieu connais moun, bon Dieu dit OK, ma bonne nous bien facile. Descendre dans de loi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Son symbole. Mais plus encore lui-même, il fait pour nous pour qu'il soit exemple pour nous. Jésus te baptisé. Paul t'est baptisé, tout monsieur baptisé pour montrer qu'ils sont bons bagages que lié. Gardez jeunes garçons qui ont baptisé, vous pensez que c'est imbécile ou imbécile? N'est-ce pas qu'il a venu devant? Il va te arrêter la caille, il coucher, il va te dire, regardez, il y a une femme, il y a une belle femme dehors pour me faire flander, qu'on y a là, qui va y baptême ça? Mais il connaît, pas de sécurité de l'autre côté que Jésus de Nazareth. Il est baptisé. Gardez les gens qui ont baptisé, plusieurs pasteurs qui ont campé dans l'eau, là, à descendre, garçons et filles en même temps. Why? Parce que vous connaissez. Pas de salut l'autre côté que en Jésus de Nazareth. Yo tout connaît, yo doit recevoir le sceau de Dieu. Jeune si fille, jeune si garçon, jeune si moun, ap descend dans de l'eau. La Bible dit celui qui dit, allez très bien, je l'ai connu. Allez très bien, oui. Parce que ma parole comment pour pas recevoir sceau. Premièrement, faut baptiser. Deuxièmement, faut garder commandement mon Dieu. La Bible dit celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. 1 Jean 2, verset 4. Son monde dit ou kon bon Dieu. Après, dit loi, bon Dieu aboli, sabbat par la mode encore. Bien que bon Dieu dit souviens-toi, il dit songez, pas oublier pour mettre joie à pas. Ou dit loi ça aboli. La Bible dit la vérité par là même. C'est menteur quoi. Mais il a. Il a. Mais, troisième bagaille pour qu'ils soient besoin de baptiser. Et ça a une importance capitale. Apocalypse chapitre 7 verset 2 et 3. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait quoi? Le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ça va très bien. Ndezouli. Quatre anges crampés, il y a quelqu'un qui vend destruction, vend malheur, vend problème qui peut le frapper terre. Et puis, ange qui dit, monsieur, pourquoi lâcher vent, yo? Pourquoi quitter malheur frapper la terre? Pourquoi? Pas frapper en rien. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le fond des serviteurs de notre Dieu. Moun sa ouak descendant de l'eau, c'est moun que bon Dieu a marqué de son sang. Moun que bon Dieu a scellé. Seul les scellés. Seront comment? Protégés. Pour sceller, il faut baptiser. Jésus-Christ, l'aile descend en bas de l'eau, le Saint-Esprit descend sous lui. Pour sceller, les loin de lui, de force et de puissance. Descend dans de l'eau tout pour baptiser. Jeune garçon, me démontre, j'ai pas eu de camper là. Sur quelle promesse de Dieu peut-on compter durant les plaies? Qui promesse, bon Dieu, bonne dans la Bible là? Mais bonne nouvelle là. Par exemple, où qu'on est? La Bible dit aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approche pas de ta tente. Quel est le plan de Dieu? C'est la question que nous devons poser. Qui plan bon Dieu gagne pour protéger petite lit? Passe bon ou non? Somme 91 sont belles. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Bon, mal à voir plus loin. Thou shalt not be afraid. C'est toujours dans le même somme là. Mais bon, mal est plus clair, plus spécifique. There are good news in the plagues. Gen bonne nouvelle pendant plaie, pendant fléau. Mais où doit qu'on ait bonne nouvelle? Par exemple, premier, aller laguer, l'aller, l'y frapper qui ça?
Ah, par la même, écoutez, bien sous écran. Le premier, Allah, il versa sa coupe sur la terre. Et nous sommes malins et douloureux. Frappa, mon yok tege Macbeth là. Comment on est capable de protéger? Tandis ça la Bible dit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. L'île Nord, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Mais pas tirer meilleur. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Béni soit l'Éternel. Mais regardez bien là. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Faut faire Très-Haut, qui ça? Retraite où? Faut faire le tourner refuge où? Faut rentrer en baselle. Faut baptiser pour mettre sous sous. Bon, sous pas, vle, pas qu'à faire sous. L'élite dit passer sans dans l'époque. Et souhaitez vous ne pouvez pas passer sans abgé dans mon cas même, oui. Et c'est ça qui est arrivé. Il dit où ça pour faire. Deuxième, non. Regardez bien, mais regardez, deuxième, non. Quand il frappe, regardez bien, ça la Bible dit. Le second verse à sa coupe dans la mer. Tout poisson mourit, il m'a prêté là-dedans. Bon, ou pas besoin manger pour manger. La Bible dit, Esaïe 33, verset 16, ça dit, lien, c'est pas même. Celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Bon, je dis, pain, on mange, même si on n'a pas de poisson, on n'a pas manger, mais bon, manger. Ok? Troisième, là, pour frapper du côté. Côté troisième, frapper. Il frappe dans le fleuve. Regardez, il frappe le fleuve. Pas de l'eau pour baigner, pas de l'eau pour bosser dedans, pas de l'eau pour laver machine, pas de l'eau pour manger, pas de l'eau pour faire rien. Mais bon, Dieu dit parole ça dans Isaïe 41, verset 17 et 18. Ça le dit. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Et il n'y en a point. Leur langue est desséchée. Pourquoi? Parce que la soif. Moi, l'Éternel. Tenez ça, bon, Dieu dit. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Ma prépugno, moi le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Bon, je dis, laisse tout le monde soif, laisse tout le monde langue, mon nappe desséché, laisse tout le monde pas jouer de l'eau. Il dit, moi, je ne peux pas abandonner, peuple. Qui ça me peut faire? Il dit, tenez ça, il dit, je ne peux pas faire. Il dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Comment ça l'a dit? Il dit, quel que soit côté petit moyen, l'a besoin de l'eau. Et ça l'a dit là. Quel que soit côté lié, il y a un monde qui a besoin de l'eau, il y a un vallée qui a besoin de l'eau. Quel que soit côté lié, petit moi qui est baptisé, qui accepte, non, il a besoin de l'eau. Ok, quatrième, non, pas frapper, côté frapper. Le quatrième verset, ça coupe où ça? Dans le soleil. Ok, quand il frappe sur le soleil, tout le monde boule. Ça ne parle pas, c'est Mounio. Est-ce que vous m'avez frappé? En lien, c'est pas même. Somme 121, lien, c'est pas même. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. Voici ce Dieu-là, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, a répondu, pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Petit bon Dieu, pas que le soleil la frappe. La protégeur. Tout le monde a boulé. Tout le monde a une soeur, avec petit doit marcher à l'aise, pas aucun problème. Cinquième, pour le frapper, quand il frappe, il frappe sous trône bête, la ténèbre. Mais bon, je dis, l'Éternel. Oh, mais l'Éternel est ta lumière. C'est ma lumière, l'Éternel, ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel, le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Pas besoin de peur. Sixième, pour le frapper, couplé ça sous le grand fleuve, le frappe, l'Itari, pas gain de l'eau, pas gain de pour passer. Regardez, c'est l'air ça. Je vais finir le ma voix. C'est l'essa. Regardez bien pour eux. Ce sont des rois de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre, de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour. Now qu'on y est, c'est le dernier combat. Now fait nous faire même porte l'église là. Now qu'on y est, l'église n'a pas rampé. Trop bagaille, fait nous finir avec un loi pour nous résoudre tout problème. Puis on fait même l'église là, bon Dieu guerre. Mais les gars, une bonne nouvelle pour vous. Car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas comment? Chanel. Mais elles sont comment? Puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les fautresses. Peuple bon Dieu, pour arrêter sous des genoux style. La Bible dit, pas oublier. Mes paroles, pour pas j'oublier. Isaïe 54, verset 17. Il dit, toute âme forgée contre toi sera comment?
sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Parce que quelqu'un dans l'église qui parle devant nous, moi condamner. Parce que l'esprit qui parle dans la place. Après l'Éternel dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Dit quelqu'un, l'Éternel des armées. Septième nom, frappé. Après la Bible dit, c'en est fait. Septième nom, son bagage est cassé. Tout bas écrasé net, tout bas est fini net. Mais l'Éternel a une bonne nouvelle pour vous. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pendant quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Vous connaissez ça, mon diable, là? Posez-le, ça arrive. Parce que c'est déjà beau dans la parole moins que le gain pour arriver. Posez, m'a prend soin. Posez, m'a défend nous. Posez, ou avez de l'eau pour boire. Posez, ou avez une paix pour manger. Posez, ou avez un côté pour habiter. Posez. Et ça veut dire là. Dieu, finalement, vous donne un dernier avertissement. Il bon fait dernier avertissement. Avertissement est dans la Bible. Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, qui ça? Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Et d'être, suivez bien, souliez moi pour vous. Et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Donc, la Bible dit, sortez parmi les gens. So, demain, si Dieu veut, venez pour nous dire, qui ça Babylone symbolisé, qui ça que a fait. Quand les messages de mes messages, c'est pas un message que je vais prêcher même. Là, vous avez la vérité. Je ne parle pas de prêcher. Mais comment je vais camper dans le jugement si je ne vais pas prêcher? Il y a dans la Bible, je ne vais pas prêcher. Sautez! Il y a un autre qui n'a pas arrêté parce que sourire n'est pas la vie. Il dit sortez pour pas participer dans le fléau, pour pas prendre le fléau et tout. Il y a un autre qui n'a pas arrêté. Regardez, Gonzan, il y a un samar veille. Là, il y a une drogue, machine n'a pas de drogue là-dedans. Police rete nous. Il n'y a pas besoin qu'on est sous la drogue, pas la drogue. Ou la machine n'a tout. Ou la machine n'a tout. C'est ça que je dis toujours, si nous n'avons pas supposé qu'il n'y ait pas d'amis, non? Si nous n'avons pas supposé qu'il n'y ait pas d'amis, ce n'est pas n'importe qui est capable d'amis. Bon, pour j'ai clair la bagaille ça. Il y a un côté qui est couru, couru, qui est vite. Moi-même, ma vie pour moi, ma paix de moi. Mais quand il s'agit des affaires spirituelles, mon cher, ça la Bible dit, c'est l'imfait. Pégote. Jésus dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Vous êtes capable de laver la robe, oui, vendredi si Dieu veut. Vous êtes capable de laver le vendredi si Dieu veut. Baptiste est là. 6h45, tout le monde qui veut baptiser, n'attend nous. Pour t'asseoir avant qu'on y aille, Jésus-Christ dit, venez à moi. Avant quoi aller, oui, il dit, qui ça? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et je vais vous donner quoi? Il dit, recevez mes instructions. Ce n'est pas pasteur Paul qui a dit ça, Mabdoula. C'est écrit dans la Bible. C'est la révélation de Jésus. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez quoi? Du repos pour vos âmes. Mais si toutefois vous rejetez l'instruction en tout, vous n'avez pas besoin de repos. Fais une bonne vérité, je ne suis pas capable de vérité. Donc ce soir, il frappe à la porte de votre cœur. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Mounza, vous entendez? Bon, j'ai frappé dans la porte. Il n'y a pas de la Bible parce que dans le pays communiste. Il va te comprendre rien. Quand on est grand monde, quand on est jeune, mesdames, il a décidé de descendre dans les eaux baptismales.
Regardez, tout ce grand monde là, c'est bel petit monde, jeune petit monde tout. Alors tu sous jeune petit garçon, bel petit monde, je vois venir grand monde tout. So va être dans les belle presque fini non pour ba Jésus reste là. Et Jésus puis devenir dans monde là. Non, pas besoin de pendant que je n'en même ou pas Jésus. D'ailleurs, ou par contre, soit privé dans l'âge de monde. Jeune mourir. Youth is not a safety. Youth is not a safety. Si moun mourir, jeune moun mourir, grand moun mourir. Et l'on a dormi, guess what? L'on a dormi nous lever, bon Dieu pas obligé de lever nous. Son grâce que le fait, lever nous. Il vient. Il est en route. Notre délivrance approche. Assoir. Jésus dit, je vais appeler la salle là. Appelle la claire. Tout le monde qui a aimé recevoir le sceau de Dieu. Puis vous êtes capable de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus qui dit, voyez-vous en retour. Pensez à l'air que vous êtes cloué le tout tourné. Jean-Maman le fait. Il n'est pas trop honte. Il n'est pas trop honte. Il descend, il cloué le son quoi entre le ciel et la terre. Tout tourné. Il n'y a pas de cloué mon avec rad sous. Jésus n'est pas honte. D'ailleurs, il dit si vous honte crampé pour moi, moi je vais confesser le nom de l'ancien là devant papa. Tout le monde qui t'a aimé recevoir le baptême vendredi soir, venez devant la Konya, nous allons prier ensemble avant. Vous avez besoin de honte. Young and old, if you preparing yourself to get baptized, please come forward. Son prière spéciale qui parle fait pour avancer, en avancer. Alors que précisément n'a pas le chanter pour nous tel que je suis, sans rien à moi. Et vous-même qui dans Facebook, dans YouTube, ou après le numéro de téléphone moi sur l'écran. Ou après sur l'écran 954-803-4556. Relève, souhaitez moi joindre moi, c'est le text message. N'a préparé pour vous capable de recevoir le baptême. Si, ma prière encore, oh, c'est nous pourquoi venir, il ne fait pas faire prière là. Ma prière presque commencé. Soit fait plan pour recevoir le baptême, avancer, avancer. Ou pas honte. Ou pour qui ça nous voulait faire prière ça soir? Nous voulons faire prière à soir. Pour mon Dieu déjà, c'est l'eau à soir. À soir. Pas lors de ce nom depuis à soir. Parce que si Jésus vient à soir, ou scellé par la grâce de Dieu, avancer, avancer, avancer. Nous avons besoin de honte. Nous avons besoin de honte. Nous avons besoin d'avancer, avancer, 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 avancer. Tel que je suis sans rien à moi. Si. Ouais, mon sang qui vient là. Jésus dit pour nous, si à soi là, il t'a prononcé le sang des faits. Mounsa aussi, yon sauvé pour le temps et pour l'éternité. Avancez, pas honte. Mais frère, pas gagne rien de yon, non? Pas gagne rien de yon. Pour jeune garçon, pour jeune fille, this is it. Ou accepter Jésus, baptiser, ou remettre la vie à ce Jésus, ou faire volonté, ou garder commandement, pas pour être sauvé, parce que vous êtes sauvé. Venez non, pendant la salle là, l'éternel dit moi l'eau. Même si vous venez là pour la première fois, venez, avancez. Avancez, avancez, avancez. Bien vacillant.